Salut, c'est Océane. Devant moi se trouvent 6 personnes qui prétendent tous être policiers ou policières. Ma mission et la vôtre, c'est de découvrir qui dit la vérité et qui ment. Pour m'accompagner, le motif, cascadeur international. Sana, tiktokeuse internationale aussi, et Yuzi, tiktoker international. Let's go! Bah du coup, on va commencer avec toi, avec le t-shirt North Face. Dylan, je suis gardien de la paix depuis maintenant 2 ans. J'ai eu mon diplôme et voilà, je suis maintenant en contrat contractuel pendant 5 ans. Félicitations. Bravo. Mabrouk. Pourquoi on l'a petit? Je sais pas. Bah parce que ça fait 5 ans. Bah il a eu son diplôme et tout. Ouais, mais ça fait 5 ans. C'est pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je suis obligé de... Ah bah bravo. Madame l'agent jaune. Moi, c'est Morgane, j'ai 33 ans et ça fait 7 ans moi, que je suis dans la police. Attends, parce que quand t'as dit ça, t'as regardé là-bas, genre... Je sais pas, on m'a dit de regarder là-bas, non? Ah pardon, excusez-moi madame. Moi, je fais ce qu'on me dit, hein. Je suis l'ordre. Hein. J'aimerais bien que ce soit elle quand même, parce que tu sais, ouais. Une fille policière, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Monsieur. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Devin et je suis gardien de la paix depuis 2 ans. Je suis sorti d'école en 2019 et là ça fait 2 ans que je suis enquêteur dans mon commissariat. Il a dit gardien de la paix. Et après il a dit enquêteur. C'est compatible enquêteur gardien de la paix. Non, ce qu'on dit c'est que t'as utilisé des termes bien spécifiques et techniques, tu vois. Enquêteur, gardien de la paix. Mais ta collègue elle t'a jugé, ça m'aurait pas plu. Monsieur t-shirt en cuir. C'est du cuir, c'est ça. En plan d'ananas. Moi c'est Jonas. Je suis dans la police depuis 12 années maintenant. Mais t'as quel âge, Jonas? J'ai 32 ans. 32 ans, moins 12, 20... Pourtant, il faut faire des études pendant un moment. Ça dépend. C'est 1 an. Dylan, il a dit 2 ans. C'est 1 an à l'école et après, t'as une formation pendant 13 mois. Ouais, d'accord, d'accord, l'équipe de police. Mademoiselle? Moi, je m'appelle Télia, j'ai 21 ans. Je suis toujours stagiaire pour l'instant. Il me faut 1 an d'essai avant de passer titulaire. Kélian, 38 ans. J'ai 3 ans de gardien de la paix. Et j'ai fait école 1 an et ensuite 13 mois de formation. Moi, j'ose pas l'énerver. Hein. Moi non plus. Arrêtez d'être intimidé. J'espère que cette vidéo te distrait énormément et sache que si j'ai pu la réaliser, c'est en partie grâce à mon partenaire pour cette vidéo qui est RhinoShield. Si tu ne le sais pas encore, mais j'en doute fort, RhinoShield, c'est une marque d'accessoires pour protéger tes smartphones, tes Apple Watch, tes AirPods et qui, au-delà de les protéger, permettent de les rendre méga stylés. Leurs coques sont ultra résistantes et compatibles avec plus de 120 modèles de téléphones. Et en plus de ça, elles sont personnalisables comme la mienne. Regarde. J'ai écrit Océane en silver, elle est vraiment trop belle. Après, si t'es quelqu'un qui préfère les couleurs et les imprimés, il y a du choix. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Différentes textures, différentes matières, tu les personnalises, tu fais ce que tu veux, bref, enjoy. RhinoShield, c'est pas n'importe qui, puisqu'ils ont également des licences. Disney Villains, Harry Potter. Et si t'es quelqu'un qui est un petit peu plus artiste dans l'âme, sache qu'ils font également des collabs avec des artistes, comme par exemple avec Janice Sung. Et évidemment, ils ont bien sûr leur propre design. Tu peux également glow up ton téléphone avec leur tout nouveau produit qui s'appelle le Grip. Il est dispo en 2 tailles, le Grip Mini et le Grip Max. Il est personnalisable lui aussi et amovible. On peut le décoller 100 fois et il sera toujours collant quoi. Il est composé à 85% de plastique recyclé, ce qui n'est pas du tout négligeable. Tu l'auras compris, chez RhinoShield, il y a tout ce qu'il faut pour protéger ton matériel, y compris des protections d'écran, des câbles longs de 3 mètres. Et évidemment, guys, vous allez pouvoir profiter de tout ça à moindre prix. Utilise mon code OCEANERTHN en majuscule pour bénéficier de 15% de réduction sur tout le site pendant 48 heures. Écoute-moi bien, tu vas avoir besoin de cette coque, je te le dis. Tu me remercieras après. Bref. À tout à l'heure. Bon, qui a une question pour Dylan? C'est qui Dylan? Dylan, c'est le premier là-bas. Mais moi, j'ai un problème avec les prénoms. Mais une petite coupe un peu militaresque. Ouais, comme ça. Ouais. Après, il a la carrure et tout, mais ça veut rien dire. Il peut aller juste à la salle. Hein. C'est aussi de la passion. Hein. J'aime bien la salle en dehors du métier. En même temps, t'es policier, tu dois courir, t'es obligé d'être fit. Vous mentez grave, hein. Les policiers sont grave gros. Et est-ce que t'as une anecdote où il s'est passé un truc? C'était justement une femme qui était pas bien chez elle parce que son mari allait se défenestrer. Et on a intervenu un peu trop tard, justement, avec les pompiers. Il avait sauté. Donc il fallait établir un périmètre de sécurité sur quelque chose qui ressemblait à une crêpe. Moi, je m'attendais à une anecdote rigolote. Ah ouais, non. Après, j'en ai des rigolotes. Hein. Mais toi, t'es pas plutôt pompier? On est tous un peu pompiers, finalement, dans la police. Hein. On doit pratiquer les gestes de premier secours, donc... Ça me fait rire, parce que du coup, pompier, c'est quand même très différent. Et en l'occurrence, les appels pour défenestration, enfin, c'est directement les pompiers. Non, mais il y en a forcément un de vous deux qui ment, parce qu'en plus, vous rigolez tous les deux ensemble. Comment ça se passe pour toi? Ça va, ça se passe bien, mais là, j'aimerais justement passer le concours en interne pour pouvoir, du coup, passer police nationale. Les meufs gentilles comme ça, ça fait flipper. Ouais, ça fait très peur. Ah ouais, regarde avec un grand sourire, mais elle est hyper horrible. C'est elle qui est à l'origine de bavures et tout. Ouais. Ok, ensuite moi je suis enquêteur, donc je suis pas en police secours. Et on fait les auditions, on place les gens en garde à vue, on est chargé de récupérer la plainte, et à partir de la plainte, on doit identifier le mis en cause. Donc c'est toi, good cop, bad cop? En fait, il n'y a qu'un good cop ou un bad cop, parce qu'en fait, on est tout seul pour auditionner, vu que nous, c'est des délits mineurs. Putain, mais il y a des bons monteurs, je suis choqué là. Et toi, c'était quoi ton prénom? Jonas. Queer. Comme les Jonas Brothers. Vraiment t'appeler queer, je suis sûre que ça te dérange quand même. Appelez-moi queer. Queer. Mettez un petit accent.
Queer. Ça va pour toi ? Ça se passe bien, ça se passe mieux, parce que depuis 2 ans, là, j'ai changé de poste. Je suis officier de police judiciaire. Avant ça, j'étais dans une brigade un peu particulière. Brigade un peu particulière ? Ouais. Bon, je peux pas dire quel est le nom de l'unité, mais je peux dire que, bon, on portait des cagoules. Mais c'est des gamins parce qu'ils rigolent tous. Oui, ils rigolent. Genre, il y en a qui regardent là-bas, il est mort. Vous pensez vraiment qu'on sait pas ce que je fais ? Ah bah, je sais pas. Je suis pas non plus agent secret. Non, mais c'est les brigades là qui débarquent chez toi là, 4h du matin. PAM ! Mets en l'air, t'es... Ok, donc toi, t'as pas une très bonne expérience avec la police, quoi. Non, moi, j'ai des très bonnes expériences. Ok, ça marche. Du coup, mademoiselle... Oui, t'as dit que t'avais 22 ans et que t'étais stagiaire. 21. Dans la police, quand on rentre gardien de la paix, on est un an stagiaire, mais en réalité, c'est juste une sorte de période d'essai avant de passer titulaire. Et c'est quoi qui t'a donné envie d'intégrer la police ? C'était un peu une vocation, moi, dès le lycée, je savais déjà que je voulais intégrer la police. Tu demandais ces carnets à tous les élèves dans l'établissement ? Non, pas du tout, mais je pense que j'ai un peu l'instinct sauveur. Elle aurait dû faire pompier. Ouais, pompier, c'est bien pour l'instinct sauveur. Ou l'armée, ma belle. On m'a proposé, mais la police était plus évident comme choix. T'es très jolie. Merci, gentil. Désolée. Elle l'a draguée, genre, non. Elle était grave belle, genre. Bah non, mais faut dire aux gens, elle est jolie. Du coup, Kélian ? Je te trouve autoritaire, hein, quand même. Non, pas du tout, mais ça va, je suis très calme. J'ai pas dit que t'étais agité, j'ai dit que t'étais autoritaire. Il a du répondant, hein, le petit haut. Il a souvent du répondant avec les personnes un peu mal autrui. C'est un truc qui fait partie de notre métier. Ok. Moi, je lui pose plus de questions, ça y est. Ouais, mais tu fais peur. Voilà. Pourquoi tu lui poses pas de questions? Moi, j'ai peur, t'as vu mon corps? À l'armée, par exemple, on demande aux gens d'être rasés à blanc. Alors, je suis pas dans l'armée, je suis dans la police. Oui, mais justement. Au début, quand tu fais de la formation, quand tu fais l'école, t'es rasé de près. Mais ça, c'était il y a 5 ans. T'as le droit d'avoir les cheveux longs, t'as le droit d'avoir un peu de barbe et tout, c'est pas interdit. Enfin, les femmes ont les cheveux longs, on va pas leur demander de leur raser la tête. Attends, on est vraiment en train de parler de cheveux? Mais bien sûr, il a des belles bouclettes, je voulais juste savoir comment il les attache quand il travaille. Ok, comment est-ce que t'entretiens tes bouclettes? Au travail. Bah, shampoing après shampoing. Mais non, mais pas ça, J'ai une tâche, je mets des produits, quoi. Il faut une question pour essayer de les départager. Vous aimez quoi dans votre métier? Frapper, hein. Mais... Contact de l'humain, tout simplement. On est rassemblés pour protéger la population, prendre soin d'eux surtout. C'est pas que des bavures, on voit que ça en ce moment, mais c'est pas ça du tout, la réalité. Mais comment tu peux donner une bonne image? Comment on peut donner une bonne image? Ouais. En aimant les gens, tout simplement. Je pense que si on s'aime soi-même, on aime tout le monde. C'est vrai que c'est une belle philosophie, mais je te jure ça, que c'est moi, bizarre, ça. Je le vois pompier. Attends, Dylan avec un cœur. Pourquoi tu mets Dylan avec un cœur? Parce que je pense qu'il dit la vérité. Dylan avec un cœur. Genre, pourquoi t'as repassé sur le cœur? En fait, tu me fais honte. C'est pas le moment, c'est Sana, elle a dit, regarde, elle est bizarre, ta beau. J'ai dit, oh. Je vous jure, c'est systématique, je suis obligée de faire des cœurs. Dis la vérité, tu m'as jamais vu. Non, vraiment, tu fais des oiseaux. Voilà, maintenant j'ai honte alors que j'ai rien à me reprocher. Non, mais franchement, Dylan, moi j'aime beaucoup ton discours. Et Morgan? Bah, effectivement, il y a toutes ces dimensions-là sociales. Dans Force de l'ordre, forcément, il y a des choses qui dérangent psychologiquement, alors qu'en fait, quand on dit gardien de la paix, il y a quand même une dimension beaucoup plus belle que ça. Bah, ça ressemble à un ange tout de suite, gardien de la paix. Le portail du paradis. Gardien de la paix, ça vend du rêve. Hein. Devin, toi, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Déjà, la diversité. On peut passer de police secours à enquêteur. Il n'y a pas besoin de suivre de formation, c'est juste qu'on demande à muter et le chef de service, soit il dit oui, soit il dit non. Et aussi, bah, après, moi, je me suis engagé à la base, c'est pour venir en aide aux autres. Quoi. C'est fou comment ils se prennent tous pour des Marvel. Jonas, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'adrénaline. La quoi, pardon? L'adrénaline. Télia, par contre, t'as l'air d'avoir des choses à dire parce qu'à chaque fois que quelqu'un parle, tu fais des grimaces. Il y a des choses qui sont un peu incohérentes des fois, mais j'ai pas besoin de tirer dans leurs pattes. Et c'est quoi qui est incohérent? Lui qui disait je me rase pas la barbe, non, et du coup t'es jamais. Tu te rases la barbe? Ah, il y a une embrouille. T'as dit que tu te coupes les cheveux d'un et d'un coup. Bah, non, au tout début de la formation, tu coupes les cheveux, tu te rases la barbe. Il va grave la frapper. Bavure policière. Bon, faut choisir quelqu'un, faut éliminer quelqu'un. En fait, j'ai pas répondu, elle a pas répondu. Parce que elle a... t'as un mais oui, manqué lui. Il est trop autoritaire. Tu vas sortir. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est vu que je suis jeune. Des fois, les gens qui viennent porter plainte, etc., bah, ils ont à peu près mon âge. Et du coup, leur venir en aide, bah, je trouve ça ouf. Moi, je rejoins un peu mes collègues. Je pense que moi, le plus important, c'est protéger, secourir. Et voilà, c'est pour moi le principal. Ça va? Je sais pas, je sens qu'il y a des regards sur moi ou je pense que c'est... Je sais pas. T'inquiète. En fait, t'es clairement dominant. Genre là, parmi tout le monde. Il rentre dans un autre. Non, mais bon, je pense que c'était sur la défense. Il aime ça. Il aime ça, oui. Bon. Écoute.
Toi, tu penses qu'il doit partir en premier? Moi, la chargée de communication, elle va partir. Ah, tu penses qu'elle est chargée de com? La dégaine en fait, et tout. La... Un pompier, une RH, un danseur. CEPA, un danseur. Elle est encore à l'école, la belle. Elle est encore je pense que tu fais des TikTok, mais tu ne veux pas nous le dire. Ne jugeons pas, l'habit fait pas... Non, l'habit ne fait pas le moine. Le moine, ouais. Le moine, tu vois. Je pense que je vais dire la chargée de com. Morgane. Morgane, ouais, c'est ça. Morgane, ouais, c'est ça. Moi? Waouh. Mon conseiller veut parler, genre. Moi, je suis d'accord avec Morgane parce que... Moi aussi, j'ai envie d'éliminer Morgane. Dis-le avec moins d'énervement, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai envie d'éliminer Morgane. C'est mieux. Elle va trop me manquer. Elle te manque déjà? Ouais. Mais c'est toi qui as lancé... Votre intervention ou votre épisode le plus rocambolesque? Moi, je vais te parler juste d'un Rix garde-colombe à 23h. Tout simplement qu'il soit... Elle a dit garde-colombe 23h. 23h, ouais. Ah, merde, désolé. Attends, attends, Télia, toi, c'est quoi un épisode rubinesque? Bah, moi, il m'est pas encore arrivé beaucoup, beaucoup de choses, mais on est arrivé en intervention. C'était une femme. Les voisins, ils avaient appelé parce qu'elle faisait grave du bruit et la musique était à fond. On ouvre la porte et en fait, la dame est en sous-vêtement. Donc déjà, moi, j'ai jamais vu ça. Elle avait du dentifrice partout sur sa tête et elle nous dit ben, j'étais en train de faire un striptease pour faire fuir les fantômes. Ça marche. Et Jonas? Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est quand j'ai bossé un peu à l'IML, l'Institut médico-légal, j'ai fait un peu d'autopsie. Bah, en fait, c'est plein de gros frigos. On dirait une grosse cantine et dedans, on tire des tiroirs. Mais c'est impossible, il faut être médecin pour faire ça. Bah, justement, c'est le médecin qui s'en occupe. Mais à côté de ça, il y a un policier. Imagine tout, quelqu'un, il y a de la cocaïne. Tu revends ça bien? Non. On part en vacances. Devine, c'est quoi ton aventure la plus rocambolesque? J'enquêtais sur un recel de vol de véhicule. À la base, on avait juste retrouvé l'ADN d'un mec sur l'appui-tête. Donc, on s'est dit, bon, on va aller l'interpeller pour ça, mais bon, ça va pas donner grand-chose parce qu'il va encore nier, il va dire, je savais pas qu'il était volé. On débarque chez lui. On voit quoi sur la table? Du shit, tout ça, la cocaïne, de l'héroïne, de l'ecstasy. Hop, on passe en flagrant délit et du coup, bah, on l'a embarqué pour ça. Qu'est-ce que vous en faites après de toutes ces drogues? C'est placé sous scellé et ensuite, sur instruction du magistrat, on le détruit. Ah, vous les détruisez? Et comment vous les détruisez? Pas parce que si vous brûlez ça, la personne qui est à côté, c'est vous la Et Dylan? En patrouille, un accouchement tout simplement. Un accouchement, t'as dit? Ouais. C'est qui accouchait? Une dame, en fait, voulait prendre le taxi. Nous, on était en pleine patrouille et justement, le taxi est sorti en pleine rue. Comment s'appelle le bébé? Avoir le bébé, alors là, je sais plus. Moi, je me suis pris deux coups de couteau en poursuivant justement quelqu'un dans le métro. Non, mais attends, là, plein, tu nous embrouilles. Non, attends, mais là, tu nous embrouilles le cerveau parce que t'as parlé d'un accouchement. T'es censé te souvenir de l'enfant que vous avez mis au monde. Mais on a donné le relais aux pompiers. Moi, justement, j'ai pas eu le temps de... Vous le vivez bien, les préjugés sur les policiers? Bah, moi, personnellement, j'essaie de pas y prêter attention. On fait avec, c'est une balance. On est habitué. Et toi? Moi, c'est un peu dur parce que du coup, je suis jeune, donc je suis un peu dans la génération qui déteste la police. Et j'ai des amis autour de moi qui me disent littéralement « j'aime pas la police, mais je vois que tu fais bien ton travail ». Je te trouve très discrète, entre guillemets. Je sais pas si t'agis comme ça dans ton environnement professionnel, mais... En première année, on a quand même des majors, des gradés au-dessus de nous. On peut pas s'amuser à faire le mariole qui s'impose. Elle a dit mariole, elle a regardé le poteau. Non, mais... je te jure, elle l'a fait. Les préjugés, ouais, on en a tout le temps. Je voulais un peu casser les codes, c'est pour ça que je suis là aussi. Est-ce que t'as déjà mis ton uniforme chez toi pour danser? T'insinues qu'il est stripteaseur. Ça, c'est la meilleure question. C'est devant le miroir. C'est le côté droite-gauche, comme ça, j'aime bien. Non, mais tu danses trop bien, franchement. C'est quand j'ai fait comme ça que t'as aimé. Plus tu fais des mouvements, plus je me dis. Mais dis, il est flex. Moi, si j'étais policière, franchement, je mettrais mon uniforme et tout, même quand on me le demande pas. À des réunions de famille, je serais là, ouais, du coup, la journée, elle était super fatigante. Non, mais toi, t'es même pas infirmière, tu mets des uniformes. Ah. Ah bon? Ah bon? Océane, c'est ça que tu fais? Y'a pas à m'afficher comme ça, y'a pas à m'afficher comme ça. C'est pour Halloween, c'est tout. Ouais, c'était pour Halloween. Bah déjà sur les préjugés, en fait, faut se dire que c'est une minorité de population qui pense du mal de nous. Ah bon? Moi personnellement, tu dis ça? Moi j'aime pas les policiers. Tu as suivi quoi? Que la majorité de la population soutient la police. Et qu'il y a une faible partie de la population qui la soutient pas, justement, c'est eux qui l'expriment. Et pourquoi t'aimes pas la police? Je sais pas. Militaire, j'aime pas. Policier, même les contrôleurs, j'aime pas. Contrôleur, je peux pas. Ah, mais le jour où on viendra te sauver, justement... Mais je vais me sauver moi-même. En vrai, franchement, j'ai mes raisons. Vous nous aimez tant qu'on fait bien notre travail. C'est ça. Tu as dit qu'avant t'étais... brigadier d'intervention spéciale, cagoulé, tout ça là. Et puis, femme-enfant, t'as décidé de machin. C'est quoi qui t'a fait faire ce step? Il y a beaucoup de risques dans ce que je faisais et bah, j'ai voulu réduire. C'était quoi les risques? Bah, c'est quoi les risques quand on a une brigade qui est armée? On suppose que c'est aussi parce qu'en face, il y a un danger. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très flou derrière. Bah, t'imagines bien que si je peux pas donner le nom de mon unité, c'est qu'il y a des choses que je peux pas révéler non plus. Ouais, mais c'est facile de dire ça. Je te jure que là, à ce heure-ci, je ne sais pas exactement ce que je fais.
Aujourd'hui, je suis dans la police judiciaire. Je suis officier de police judiciaire. Dylan et lui, ils sont trop bizarres. On parle en télépathie. C'est ça, ils sont trop bizarres. Dylan et les trucs, ils sont trop bizarres. Moi, je sais qui on peut éliminer. Ah ouais, qui? Devine. Tu as dit que t'hésitais entre Jonas et Dylan. Dylan, tu penses qu'il y en a un qui ment? Et puis toi, t'es venu et t'as dit on communique par télépathie. C'est Devine. Oui. Et Devine. On fait Dylan et qui est Jonas? Ouais. Ok, le plus faible, il part. Vous êtes au courant qu'on est en train de prendre quand même les deux qui ont vraiment une carrure de... Ça veut rien dire, ça. T'as dit tout à l'heure, il y avait des policiers gros. J'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça, t'as dit ton bide. C'est pas vrai. Une petite question pour les départager. Petite question, Jonas, Dylan. Bah, danser. C'est sûr que tu vas me tuer, ça. Jonas, il a... T'as dansé beaucoup trop rapidement. Ouais, Jonas! Y'a que les danseurs qui sont aussi rapides. Il a entendu un pouf, il a fait bon. Il a pas réfléchi, il a dansé. C'est instinctif chez les danseurs. Bon, bon ben, Jonas, on est désolé. Tu peux partir en dansant? Ouais! C'est un danseur. Bon. Qu'est-ce que tu peux nous dire qui montre que tu n'es pas pompier? Moi, j'ai le droit de me noter et j'ai aussi... Un pouvoir entre mes mains qui est énorme, c'est celui de tuer. Et ça, hein? C'est un... Ah oui, ça me la vie de la personne est entre mes mains. Tu favorises pas non plus de l'amour qu'on peut avoir pour vous, on dit. Ouais, non, vous, ah non, on n'est pas dans James Bond, hein. À partir du moment où on est une âme de service, c'est justement au cas où il y a un terroriste, vous allez faire quoi? Vous allez sortir vos lance-pierres? T'en fais trop, Dylan. T'en fais beaucoup trop. T'as fait deux croix. À qui d'autre t'as mis une croix? À Jonas. Ah mais Jonas, il est parti. Je vais te dire pourquoi on dit que t'en fais trop. C'est on t'a posé une question simple et à la réponse de cette question simple, tu dis on a le pouvoir de tuer. Je pense pas qu'un vrai policier dirait ça. Non, je pense pas non plus. Il aurait dit autrement. C'est les personnalités aussi. Moi, ça fait que 2 ans que je suis dans la police. Je suis un peu jeune et fougueux. C'est normal comme tous les jeunes policiers. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. T'as le pouvoir de mettre en sécurité, de sauver des gens, mais t'as pas le pouvoir de tuer. C'est bizarre de dire ça. Bah genre la responsabilité dire, limite tellement c'est accablant. C'est ça, mais... t'es là, dis bien. Elle est en stage de 3e. Elle est même pas policière. Dylan, tu sors s'il te plaît. Merci Dylan. Merci. Bravo. Est-ce que du coup vous avez des entraînements pour tirer sur des cibles? Ouais. Est-ce que t'es nul? Ou est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es fort? Tu gères? J'essaie de te rattraper parce que je me suis dit ça allait bizarre la question. On a des entraînements assez réguliers et ça fait qu'on a un minimum d'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais tirer sur quelqu'un? Pour moi c'est le pire cauchemar de ma vie en fait. Dylan il aurait dit oui. C'est pour ça qu'on l'a fait partir. Mais Téléa, toi quand il a parlé justement d'entraînement, toi tu as dit oui. Ça veut dire en stage vous avez déjà des entraînements? Il n'y a pas vraiment d'entraînement régulier mais en fait pour passer en policier, donc moi gardien de la paix, on a une épreuve de tir et si on la passe pas c'est mort. Donc tu peux même pas rentrer en stage si tu sais pas? Ah bah non. Mais c'est comme à l'école, l'épreuve éliminatoire c'est le sport. Tu penses quoi? Devine, il est trop calme. Je t'ai dit. Il est immobile comme ça. Après, il a un look. T'as vu la ceinture serrée, je t'avais dit. Bon, Devine, apparemment, tu serres ta ceinture. Bah, c'est pour empêcher le pantalon de descendre, ça sert à ça. Ah, mais comme la police. Après, c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir des trucs à la ceinture et vu que ça pèse lourd, tout ce qui est flingue. J'ai le réflexe de serrer la ceinture plus fort. Kélian, est-ce que t'as une ceinture? Moi, j'ai pas de ceinture, moi. Je suis pas en service, j'ai pas de ceinture. En V2V, les influenceuses, nous, on a trouvé la technique de là, tu passes par là. Ouais. Quand on met des ceintures, c'est plus accessoire de mode, tu vois. C'est vraiment un truc un peu vieillot. La première fois, vous voulez le faire partir parce qu'il avait des bouclettes. Maintenant, vous êtes en train de parler de lui qu'il est policier parce qu'il a une ceinture. Moi, j'ai jamais parlé de ses cheveux. Hein. Moi non plus. Hein. Mais c'est qui avait parlé c'est de ses cheveux? C'est ta femme. Moi, j'ai dit. Pardon. Donc, on va le faire partir parce qu'il a pas de ceinture. Non, mais parce qu'il parle mal, c'est tout. T'es célibataire et tout? Célibataire sans enfant. Et t'as quel âge? J'ai 27 ans. Est-ce que tu dirais que ton métier est la raison pour laquelle tu es célibataire aujourd'hui? Non, je dirais que ça n'a pas forcément grand-chose à voir. J'ai plein de collègues qui sont en couple. C'est un choix personnel, quoi. Ouais, ou alors c'est pas le bon choix, tu vois, mais... Oh, ma vie. J'ai trop le miski. Ouais. Bah moi, du coup, je trouve ça un peu compliqué parce que déjà, il faut quelqu'un qui accepte mon métier. Et ensuite... Bah grave, kiffer le costume, je sais pas ce que tu veux. Ouais. Si quelqu'un n'aime pas la police, je peux pas être avec lui. Et en plus, il faut quelqu'un qui soit clean, genre... Tu mens de ouf. Tu sais pourquoi? Parce que vous avez vu les gardiennes en prison, là? Elles aiment trop les méchants qui sont derrière les barrières. La vie, c'est vrai. Moi, en tant que stagiaire, je me permettrais pas d'avoir des gens douteux dans ma... Les criminels, là, ils se lient d'amitié avec une gardienne gentille. Ça, c'est dans les films. Non, c'est archi non. Même les avocates, elles aiment trop leurs clients un peu méchants. C'est un fantasme inavoué. Elles sont confrontées tous les jours à des gens méchants. Et elles arrivent à les trouver gentils au final. Et Kélian, pardon de te couper. Oui, c'est la même chose Kélian. Non, c'est pas... C'est qui ton acteur préféré? Joaquin Phoenix. T'aimes bien l'acteur, c'est ça? T'aimes bien aussi le Joker? Ah ouais, j'ai bien aimé le film. Mais j'ai posé une question, est-ce que t'aimes bien le Joker? Je sais faire la différence entre un film et la réalité. Et pourquoi tu veux pas répondre à la question? Je fais tout le temps poursuivre par les policiers, est-ce que ça te gêne pas? Je vois où tu veux dire. Moi aussi, je vois où ils vont venir. Donc faudrait répondre. Tu préfères Batman ou le Joker? J'avoue, je sais pas.
Donc t'as pas une affinité de base pour la justice et du coup le justicier. Dans le côté cinématographique, j'avoue que je suis pas... je sais pas, je suis un être humain, tu vois. Qui est Télia? Bah, plus Batman, parce que... Devine. Batman. Pourquoi Batman? Et pas Harley Quinn. Harley Quinn. Même si c'est de la fiction, j'ai plus d'affinité à quelqu'un qui fait respecter la loi que quelqu'un qui passe son temps à la bafouer, quoi. Moi, j'ai un truc à dire sur Kélian. En fait, quand on t'a parlé d'un truc qui parle vraiment, t'avais des étoiles dans les yeux. T'étais plus sensible. Des étoiles dans les yeux? À quel moment? Regarde, là, tu commences à en avoir. Et quand on parle d'un truc que tu kiffes, on voit ta personnalité toute joyeuse. Bah, mais justement. Quand tu me poses une question sur un acteur préféré, je vais te répondre sincèrement. Mais non, c'est qu'on a réussi à te sortir de ton rôle, en fait. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire que tu joues un rôle depuis tout à l'heure. C'est ça que ça veut dire. Bah, après, il y en a une qui fait que des dénis. Non, mais elle va sauter aussi, mais je crois. Moi, je pense qu'il faut que Kélian, tu t'en ailles. Toi, Kélian, Télia. Télia. Télia aussi. Allez, on va partir sur. Non, mais moi, je voulais faire partir Kélian. Bah alors, on fait un chiffon. Attends, on sait même pas. Donc si toi tu gagnes, c'est qui part? Bah du coup, Kélian. Et si c'est toi qui gagne? C'est Télia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elle a gagné. Elle a gagné. Mais on fait en 3 parties. Non. Comment est-ce qu'on se retrouve à deviner l'issue d'un on devine qui avec un Shifumi? 1, 2, 3. 1, 2, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Ah! Oh! Télia dehors, j'ai dit. Salut Télia. Moi, je la trouve convaincante. De toute façon, il fait malin, là. Il a regardé ses collègues en mode, t'as capté, c'est moi qui reste. ça reste. Non, toi, Devine m'a dit. Devine, pourquoi tu dirais que Kélian, il ment? Il y a beaucoup de réponses qu'il a données, ça se voit qu'il s'est renseigné sur la police, mais qu'il est pas dedans, quoi. Après, je saurais pas redire tout ce qu'il a dit. T'as pas d'argument, quoi. Tu vois, tu l'as interrompu. Laisse-le parler. Par exemple, allez, on va dire sur le tir. Tu tires combien de fois par an? 6 fois. Bah voilà, on tire 3 fois par an. Ah. Mais t'as pas peur que tes collègues ils se moquent un peu de toi, que tu sois venu faire une vidéo ici? Bah après, se moquer, non, parce qu'on n'est pas non plus tourné en ridicule. Et t'as pas peur pour ton travail ou quelque chose comme ça? Alors j'ai un peu hésité à cause de ça. J'espère aussi qu'il n'y a pas tous les délinquants qui vont regarder cette vidéo pour ensuite m'identifier dans la rue. Les délinquants, venez ma gueule, ouais. Ma vie. Et Kélian, pourquoi tu dirais Devine, il ment? Parce que moi, personnellement, je trouve qu'il a beaucoup de casquettes. Qui dit beaucoup de choses différentes, qui est d'accord avec tout. Il est d'accord avec rien de ce que tu dis. Non, bah pas avec moi, mais en tout cas... Mais moi, je trouve intéressant que du coup, t'as pas parlé du nombre de fois que vous faites un tir. Lui, il a dit 3, toi, t'as dit 6. Il y en a un qui dit la vérité, il y en a un qui ment. Pourquoi ce serait 3 ou pourquoi ce serait 6? Ah, mais 3, c'est pas assez. Bah oui. Comment t'es préparé dans la vie tous les jours? C'est bien le problème avec l'administration, c'est qu'on a pas assez de tirs. Moi, je pense quand même que c'était Morgane. Elle était chargée de communication. C'est toi, tu l'as balancé. Ouais, c'est vrai. Toi, tu l'as balancé. Mais toi, tu m'as rejoint. Vous étiez à 3 contre 1. Moi, j'ai dit non pour Morgane. Quoi? Moi j'étais en minorité. Mais non, on parlait d'un autre sujet, tu confonds. De toute façon, c'est pas la question non plus. Mais tu veux son numéro? Mais non Attends, parce que là, il y a notre réputation qui est en jeu. Il faut au moins une fois qu'on gagne. Donc il faut éliminer une personne. On élimine qui? Ben moi je trouve que Devine il est plus professionnel. Ouais, il a plus un look de policier. C'est soit il est professionnel, soit il est très très fort. Il est trop parfait pour rien. Tu sais pourquoi il peut pas admettre que c'est Devine? Parce que si il admet que c'est Devine... Ah, il aura tort avec le fait que la police est gentille. Voilà, il dira mais c'est pas possible. Mais je le déteste vraiment, lui je l'aime trop. On élimine qui? On élimine Devine. Moi, franchement, j'aime pas les gens qui sont trop... Mais je sais, il manque d'épices, mais on peut rien y faire, genre. Il a aucune épice. Regarde comment il est coiffé, s'il te plaît. Je suis désolée, mais il a mis du gel. Physiquement, il est rasé, il est tout... Il se tient droit, en vrai. C'est vrai, il se tient droit. Là, il a les mains derrière et Kélian, il a les mains devant. Depuis le début, il est comme ça. Ouais, genre, j'ai rien à me reprocher, genre. Il a les jambes bien écartées, enfin, vous voyez, genre, clean. C'est bizarre. J'ai pas dit ça comme ça. Bon. Je vote... pour que Kélian parte. Je suis Olivier. Pareil, je vote que pour Kélian parte. De toute façon, je peux pas faire le choix. Bah, Shifumi, c'est en. Il y a pas une dernière question sinon qui pourrait. Une dernière question. Une dernière question, vas-y, dernière question. Non, je sais pas. Bah, si, tu veux pas faire si. La question. Pose la question. C'est bon, Kélian sort. Merci, Kélian. Il a frappé comme ça. On se retrouve à la sortie. Devine. On a décidé que c'était toi, le policier. Est-ce que là où le vrai policier peut s'avancer d'un pas, s'il vous plaît? Il y a personne qui est condé, là? Imagine, c'est Dylan. Si c'est Dylan, mais... Ouais... Devine, on est grave content d'avoir trouvé en tout cas. Trop bien. C'est trop bien. Il est archi gentil. On peine à trouver du monde qui veut rejoindre cette profession alors que c'est un beau métier. Moi, si je me suis engagé, c'est pas pour frapper des gens ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour venir en aide à ceux qui en ont besoin et faire respecter la loi. Ah bah franchement, bravo. Merci encore à RhinoShield d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oublie pas, va checker dans la barre de description, tu as un lien pour aller faire ton shopping avec 15% de réduction si tu utilises le code OCEANRTHN. Enjoy, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo de On devine qui ?
Mouah, bye bye.